La Nuit européenne des musées est l'un des rendez-vous qui ponctue la vie des établissements. C'est aussi le moyen de réaffirmer la volonté du musée de la photographie Charles Nègre de connecter l'inattendu et aussi de croiser les médiums artistiques. Cette occasion, autour de l'exposition Lionel Cazan, de proposer la rencontre avec un artiste singulier, Thomas Dupont-Constantini, qui nous a proposé une création qui s'harmonise avec cette époque magnifique proposée par Lionel Cazan autour des années 50-60. Nous avons pensé à une idée assez originale, c'est-à-dire de mélanger les arts. Et moi, en tant que pianiste, l'idée, c'était de plonger l'auditeur dans ce monde des Trente Glorieuses où tout était possible. Et donc, à travers des œuvres musicales, nous irons de Chopin et Tchaïkovski au jazz, voire même à la variété et au rock. Il faut savoir que Lionel Cazan a été aussi à New York, donc l'auditeur sera plongé dans cet univers à Broadway, de café-théâtre, de jazz, etc. Et mon but est de proposer à l'auditeur de pouvoir s'immerger dans cette période et d'avoir tous les outils et les clés de compréhension quelque part pour pouvoir apprécier par la suite cette magnifique exposition.